Booba réagit aux propos de Rof sur les documentaires. Découvrez pourquoi Rof ne veut pas qu'on fasse un documentaire sur lui et comment Booba a réagi. Lors d'une interview avec Trace, Rof a exprimé son mécontentement concernant le documentaire sur Digimedi et a clairement indiqué qu'il ne voulait pas qu'un projet similaire soit réalisé sur lui. Booba n'a pas manqué de réagir à ses propos. Le 12 septembre, le documentaire Digimedi, Made in France est sorti sur Arte TV, réalisé par Thibaut de Longeville. Rof, bien que présent dans des archives, n'a pas souhaité apparaître dans le documentaire. Il a reproché à Thibaut de Longeville de se servir de Digimedi et d'avoir amadoué ses proches. Lors de son interview avec Trace, Rof a été très clair, il ne veut pas de documentaire sur lui après sa mort. Il a expliqué, « Quand je disais, le jour où Dieu me rappelle à lui. Je ne veux pas de documentaire sur moi, je ne veux pas de livre sur moi. Faites des prières pour moi, tout ce cinéma là c'est pas pour moi. Je ne manque pas de reconnaissance alors dans ma tombe encore moins. » Ces propos n'ont pas échappé à Booba. Le duc a partagé l'article reprenant les mots de Rof, puis a partagé une interview de 2021 où il parlait de son propre biopic. Booba a confié à Combini qu'il travaillait sur un scénario avec un scénariste. « Bah écoute, on est sur un scénario tu vois. J'écris avec un scénariste en ce moment. On avance bien sur mon biopic. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Chaque chose en son temps poteau. On ne met pas la charrue avant les bœufs. » Avec une carrière aussi riche et pleine de rebondissements, un biopic sur Rof serait très intéressant. Mais avec ses récents propos, verra-t-il le jour? On en doute très fortement. Pensez-vous que Rof changera d'avis? Partagez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités sur vos stars préférées.